Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, en famille ou pas. Voilà, mais j'espère que vous avez été gâtés si vous avez été très sage. Alors moi j'ai été quand même assez sage. Donc c'est une vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes cadeaux de Noël. Alors donc on va commencer par le moins... on va dire le côté plus pratique de la chose. Donc, c'est moi qui l'avais demandé, donc j'assume hein, totalement. Donc, j'avais demandé un défroisseur vertical. Voilà, donc je pense que vous devez connaître tout ceci. Voilà, donc j'ai pris cette marque Roventa. Donc, voilà, j'espère qu'il va être sympa. Parce que des fois, voilà, quand les choses ne sont pas très froissées, franchement, ça m'embête de passer un coup de fer. Donc, je vais tester ce produit, je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Voilà, donc ça. Ensuite, j'avais aussi besoin d'un fer à repasser, mais je cherche un fer à repasser sans fil. Je n'arrive pas à trouver ça chez moi, dans ma ville. Je n'arrive pas à trouver ça. Donc, j'attends les soldes du coup, puisque le mien ne fait plus du tout de vapeur. C'est compliqué. Mais voilà, je suis passe après. Je ne repasse pas toutes les 5 minutes. Hein. Donc, voilà, j'attends les soldes et j'espère retrouver ce qu'il me faut. Ensuite, donc, j'ai eu ce coffret cocooning, donc avec un plaid, un mug, donc isotherme, et ensuite, donc, un petit livre, voilà, sur ma soirée cocooning. Alors, donc, le plaid, ben, c'est un plaid, voilà, hein, rien de spécial, la couleur est magnifique, j'adore ces coloris, c'est très chaud, donc, il fait 130 sur 150, voilà, donc, franchement, il me tarde de tester ce plaid. Ensuite, le mug. Voilà, vous avez quelque chose autour pour vous protéger les mains. Voilà, il est en porcelaine et vous pouvez donc défaire ceci et boire avec, du coup. Voilà pour ça. Et donc, après, vous avez un petit livre sur des conseils, recettes, etc. Voilà, donc vous avez, comment vous dire à ça, pour vous préparer au bain, pour vous passer des huiles essentielles, pour faire des tisanes. Voilà. Il y a des trucs vraiment très sympas. Ce n'est pas très gros à lire, mais c'est vraiment très joli. C'est bien imagé. Voilà, pour se faire des automassages des pieds. Pour plein de petits trucs sympas, pour se préparer. Même pour faire des masques. Voilà, pour se faire des masques. Hein. Donc, c'est une super idée. Et je remercie la personne qui m'a offert ceci. Voilà, donc c'est pour inciter à la méditation et à passer un très bon moment. Donc ça, c'est super. Donc ensuite, j'ai eu ce coffret eau de parfum de chez Chloé. Je n'ai jamais acheté de parfum de cette marque. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas pour, c'était pas pour faire un boycott. Mais bon, voilà, j'ai jamais trop eu l'occasion. Donc, je vous montre ceci. Donc, vous avez le coffret eau de parfum. Et à côté, c'est le lait parfumé. Voilà. Donc, il sent très, très bon. J'ai senti un échantillon avant de l'ouvrir. Parce que dans certaines parfumeries, on vous emballe le paquet. Et au niveau du nœud, on vous met un petit échantillon basique. Hein, voilà, pour sentir le produit. Donc, si ça ne vous convient pas, comme ça, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le packaging. Et vous pouvez le ramener. Et du coup, ben, offrir un autre parfum à la personne. Donc, je trouve ça franchement super, super, super. Donc, voilà, c'est un contenant de... Je vais essayer de vous le sortir pour que vous le voyez. Il est très joli, le flacon. J'y vois pas bien. C'est une contenance de 50 ml. Voilà, vous voyez. Il est mignon, hein, avec le petit... Bon, je n'en sais rien, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai peur de le casser, voilà. C'est fait. Voilà, on peut le remettre comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà, donc il est mignon comme tout. Voilà, là, ça y est, j'y suis bien arrivée. J'y suis bien arrivée, voilà. Voilà, donc ça, c'est un super cadeau. Le parfum, c'est vrai que c'est super sympa hein, comme cadeau. Alors ensuite, j'ai eu un parfum aussi, ben, ce que j'avais demandé, c'est-à-dire Mont Rouge de chez Yves Rocher. J'avais complètement craqué dessus. Donc là aussi, c'est sous forme de coffret. Vous voyez, rien de spécial, hein, mais bon, à l'intérieur. Je vous ouvre ça, si j'y arrive. Voilà. Donc là, c'est l'intérieur du coffret qui est très joli.
Voilà, donc vous avez ben, le parfum et le rouge à lèvres, donc rouge mat. Donc ça, en plus, je suis super contente parce que j'adore le rouge mat. Donc c'est le grand rouge mat 156 de chez Yves Rocher. Donc voilà. Donc c'est une voilà quand même un bon format. Et donc dessus, il y a marqué What's Your Power. Et donc après, vous avez le petit parfum. Donc c'est vraiment un petit. Hein. Celui-là, il doit faire combien? J'y vois pas, mais il fait 30. 30 millilitres. Voilà. Donc là, vous ouvrez. Voilà, rien de spécial. Hein. Mais franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vais mettre un petit coup d'ailleurs encore. Je n'en ai pas mis aujourd'hui. Mmh, j'adore. Une petite arrière odeur. Alors, je passe. Il faudra que je trouve le. Alors, comment on dit, la composition. Parce que. Il y a une odeur de quelque chose dedans un peu fruité. Et je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas à trouver. Mais. Franchement, il faut que je cherche. Parce que ça me turlupine depuis, depuis que je l'ai eu. Hein, et depuis que je l'ai essayé d'ailleurs. Et donc aussi, j'ai eu le format de 50 ml en plus. Voilà. J'avais une promo dessus, dont ma mère m'a dit, je t'ai pris en plus le format un peu plus gros parce que dans le coffret, c'est vrai qu'il était petit. Voilà. Donc là, quand même, au niveau parfum, j'en ai pour un moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ce bracelet que je porte là, de la marque Fossil. Donc, vous voyez, vous avez double bracelet. Vous avez un très fin avec des petites boules. Et ensuite, un autre avec des petites pierres vertes. Donc, il est magnifique, vraiment magnifique. Et en plus, le côté que j'adore, il se referme, vous voyez, avec le petit goupillon en rond. Là. Donc, vous tirez dessus tout doucement, évidemment. Vous voyez, ça s'agrandit. Donc, ça, c'est super pratique parce qu'alors, le pire, c'est l'ouverture et fermeture des bracelets et des colliers. En plus, quand on a des ongles longs, c'est une horreur. D'ailleurs, là, j'ai tout coupé parce que ça m'embêtait, c'était trop long. Donc là, j'ai tout coupé. Comme vous voyez, c'est plus court. Voilà, donc ce bracelet de la marque Fossil, donc qui arrive dans une petite boîte comme ceci, fait en fer, très joli, très joli. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais mis aussi ce bon plan sur, sur Instagram. Comme quoi, si vous achetiez... c'était quoi déjà? Oui, si vous achetiez sur le site de Fossil, vous aviez... déjà, il y avait pas mal de choses en promotion. Mais en plus, vous aviez du cashback. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était 50% de cashback en passant par Igral. Donc, franchement, ça valait super le coup. Moi, j'avais acheté une montre, une belle montre. D'ailleurs, que j'ai fait graver derrière pour mon beau-père, de la marque Fossil. J'avais acheté deux paires de boucles d'oreilles et ça m'avait fait, je crois, dans les 80 ou 90 euros. Et du coup, ben, j'ai eu la moitié sur mon compte cashback de chez Igral. Donc, franchement, quoi, ça me rembourse presque tous les cadeaux de Noël. Donc, voilà, ça valait super le coup. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, abonnez-vous à mon compte Instagram. Parce que franchement, quand je peux, je vous mets des petits coups comme ça à faire et vous faites des affaires. Voilà, même si ce n'est pas pour tout de suite les cadeaux, mais ça peut être pour un anniversaire dans un mois, dans trois mois. Voilà, ça peut toujours servir, franchement. Et donc là, pour Noël notamment, ben, ça valait le coup. Voilà, et puis pour finir, le plus beau, je crois, de tous, hein, c'est sûr même. J'ai eu ce magnifique collier. Voilà, donc je vous ferai un gros plan. Donc, c'est très spécial. C'est une orchidée, une vraie orchidée, voilà, qui a été, comment on dit, soufflée dans du verre ou dans la résine. Hein. Je crois que c'est dans de la résine. Hein. Il faudra que je recherche bien sur le site, je vais vous donner les coordonnées. Donc, je pense que c'est voilà, c'était véritable orchidée transformée en bijoux. Donc, pour moi, je pense que ça a été moulé dans de la résine. Donc, elle a été figée. Voilà. Donc, c'est une vraie fleur. Voilà. Donc, qui a été montée. Voilà. Bon, là, derrière, c'est sur un cœur avec une petite goutte au bout. Voilà. C'est très, très, très beau. C'est très léger. Hein, c'est pas lourd du tout. Voilà. Donc, monté sur un petit collier doré.
Donc ça s'appelle la personne qui fait ça. Donc avait exposé à l'abbaye de Fontfroide, donc vers chez moi, dans le sud. Donc et voilà. Donc je vous montre la petite carte. Hein. Voilà, tendance-orchidée.com. Si ça vous intéresse, franchement, elle fait des choses magnifiques. Ma mère m'a dit qu'il y avait des tas de bijoux. C'était superbe. Donc, pour celles qui aiment les orchidées, voilà, ça peut vous donner une idée. Donc, franchement, moi, j'ai adoré. Je trouve ça trop beau. En plus, cette couleur, bon, ça me va très, très bien. J'aime bien ce rose un peu... Voilà, plusieurs teintes, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment le cadeau coup de cœur. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout, c'était mon cadeau surprise. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, la nature a fait chaque orchidée unique. Nos bijoux le sont aussi. Voilà, vous pouvez découvrir nos modèles sur tendance-orchidée.com. Allez, donc franchement, n'hésitez pas si ça vous plaît. Au niveau du prix, ben, je ne peux pas vous dire puisque bon, ben, c'est un cadeau. Hein, donc, ça ne se fait pas de demander le prix. Mais je vais garder cette petite carte parce que franchement, c'est bon à savoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, ben, écoutez, j'espère que vous aussi, vous avez été très gâtés. Pour ma part, eh ben, vous voyez, voilà, j'ai été super gâtée. L'essentiel, quoi vous dire, ben, écoutez, c'est qu'on soit surtout en très bonne santé. Rien que ça, déjà, c'est énorme. Hein. Énorme, énorme, surtout par les temps qui courent. Voilà, donc j'espère que vous aussi, vous avez été gâtés, que vous avez passé de très bons réveillons et jours de Noël. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.